Bonjour, donc ici la capsule, on va parler des équations de Bellman et d'optimisation sur un horizon de temps infini. Donc, jusqu'à maintenant, on était capable de générer des lois de contrôle optimales par programmation dynamique et la façon qu'on procédait, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'on partait de la fin. On avait un horizon de temps de n étapes. Donc, on partait avec un coût final qu'on définissait. Là, ensuite, on avait notre algorithme de programmation dynamique. On revenait une fois en arrière, on calculait J de N moins 1. Ensuite, on revenait encore une fois en arrière pour calculer J de N moins 2, etc. Et à chaque étape, on était capable d'obtenir aussi, en calculant le coût à venir optimal en partant de la fin, on calculait aussi nos lois de commande optimales. Qu'on note C ici, qui dépend de l'état X. Et ce qu'on obtenait aussi, c'est à chaque étape de temps, on avait une loi de commande qui était différente. Donc, ce qu'on obtenait au final, c'est qu'on avait une loi de commande qui dépend pas juste de l'état, mais aussi de l'étape en cours. C'était différent en fonction du temps ou de l'étape, selon le genre de problème qu'on travaillait. Maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qui arrive si je m'intéresse pour la meilleure solution pour une opération en continu? Donc, supposons que vous avez un problème où il n'y a pas vraiment d'horizon de temps fini. Il n'y a pas de limite de temps à la tâche que vous voulez accomplir et vous vous intéressez à savoir c'est quoi la meilleure chose que je dois faire continuellement, de façon constante pour minimiser un objectif qu'on formulera encore sous la forme d'une fonction coût. On peut penser, supposons on a fait des problèmes financiers, donc on avait des lois de commande pour maximiser les revenus ou minimiser les pertes. Donc supposons que vous avez une entreprise et vous voulez maximiser vos revenus, mais vous ne prévoyez pas fermer l'entreprise dans un an, dans deux ans ou dans même 10 ans. Vous voulez faire la meilleure chose pour votre entreprise en supposant que votre entreprise va toujours exister. Donc, une façon de formuler ce problème-là, c'est de regarder pour un horizon d'optimisation infini. Donc, on peut voir ça d'une certaine façon comme supposons que Je recule dans le temps. Et je me place à un état où l'horizon de fin serait tellement loin que j'ai pas vraiment d'effet de bord final comme ça. Et ici, on va voir que sous certaines conditions, mon coût à venir va se stabiliser et même chose pour ma loi de commande. Donc, premièrement, regardons c'est quoi les conditions qui feraient qu'on peut travailler avec ce concept d'horizon sur un temps infini. Premièrement, il faut avoir un système qui est stationnaire. Ce que ça veut dire, ça, c'est que avant, on travaillait avec, de façon générique, une fonction de la dynamique du système qui pouvait changer à toutes les étapes. Donc ici, c'était noté par un index K. Dans un cas comme ça, on va supposer que notre dynamique est la même, peu importe l'étape. Autrement dit, notre dynamique ne dépend pas du temps. Et même chose pour notre fonction coût. On veut qu'il y ait aucune dépendance au temps ou à l'étape actuelle. Et la solution qu'on s'attend à obtenir, c'est justement une loi de commande optimale. Typiquement, elle dépendait de l'étape K. On s'attend à obtenir une solution optimale qui est stationnaire aussi. Donc, si ma dynamique est stationnaire, elle ne dépend pas du temps, mon coût est stationnaire, c'est le même coût d'être dans un état, puis de prendre une certaine action, peu importe l'étape, mais on va trouver une solution qui est stationnaire aussi en termes de loi de commande.
sous certaines conditions, que j'y arrive. Comment on formule tout ça? C'est que, ben, on a vu que notre fonction de coût, on travaillait avec la notion de coût additif. On additionne... je vais laisser un peu plus d'espace. On additionne les coûts des étapes futures, qui est ma fonction G, qui est le coût instantané à une étape. Et aussi dans le contexte stochastique, on prend l'espérance de ce coût à venir-là. Et typiquement, on avait aussi plus un coût final, mais maintenant que mon coût est stationnaire, ben, c'est la même fonction ici jusqu'à l'étape N. Et maintenant, pour l'horizon de temps infini, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la limite de N tend vers infini. Donc, ça représente justement une asymptote. Ici, que si je remonte assez loin dans le temps, je vais aller stabiliser sur cette asymptote-là. Est-ce que cette limite-là, elle existe? Est-ce que mon coût, il va pas juste augmenter à l'infini comme ça plus loin que je retourne dans le passé? La réponse, c'est que ça dépend du type de problème. Puis pour certains types de problèmes, oui, le coût augmenterait à l'infini. C'est pourquoi on va introduire la notion de, on va rajouter ici un facteur escompte. Facteur d'escompte. Qui, lui, qu'est-ce que ça représente? C'est... Facteur d'escompte, c'est... les coûts à venir futurs, on va les pondérer avec un chiffre qui est plus petit que 1. Ça serait alpha k. Puis on va les comptabiliser comme qui ça compte moins. Donc supposons que ici, si j'ai un coût à venir de 1 à la prochaine étape, on va mettre 1 dans mon équation ici. Mais si j'ai un coût dans 100 étapes de 1, mais on va multiplier par alpha à la k. C'est comme de voir que plus on est loin dans le futur, moins on veut que les coûts plus proches de nous, ils comptent plus que les coûts qui arriveraient dans très très longtemps. Ça peut représenter différents types de problèmes, là, mais par exemple dans un contexte financier, mettons qu'on optimise des revenus ou de l'argent. Ben, à cause de l'inflation, par exemple, 1$ aujourd'hui, ça vaut plus que 1$ dans 10 ans. Donc, ça, on peut voir ça comme un facteur qui dit, j'aime mieux avoir une récompense maintenant qu'une récompense dans 10 ans. La récompense tout de suite, ça vaut plus que celle dans 10 ans. Ou même chose en termes de coût, là, dans le contexte où on minimise un coût. Ben, un coût maintenant, c'est pire que d'avoir un coût peut-être dans 10 ans, loin dans mon futur. Fait que c'est ça que ça représente, mais fondamentalement, c'est surtout qu'on met ça pour s'assurer que cette limite-là, elle existe, pour que toutes nos mathématiques fonctionnent, en fait. Il y a une autre condition, on peut laisser alpha égale 1 si le système, on est sûr qu'il y a un état final qui va être atteint et que cet état-là pas de coût. Donc par exemple, supposons qu'on travaille avec un problème de navigation puis on veut se rendre à une certaine ville puis un coup que j'arrive à cette ville-là, ben sur cette ville-là, j'ai plus de coût. Donc si j'ai des lois de commande qui font que ben ça peut prendre différentes durées de trajet pour me rendre à cette ville-là. Mais si c'est sûr que je me rends à la ville, ben mon coût, il va avoir une asymptote quand même. J'ai pas besoin d'avoir ce facteur d'escompte-là. À partir d'un certain temps, c'est sûr que je suis arrivé à la ville, c'est sûr que mon coût augmente plus. Donc, il faut faire attention pour que le concept d'avoir une fonction stationnaire qui utilise le principe d'horizon de temps infini, il faut soit introduire ce facteur d'escompte-là ou bien être sûr que toutes nos trajectoires vont terminer et que le coût ne peut pas augmenter jusqu'à l'infini. Et maintenant,
la cerise sur Sunday de tout ça, c'est que cette fameuse asymptote-là ici, qui représente le, justement le coût à venir sur notre horizon de temps infini, on a une équation pour la trouver. Ça s'appelle l'équation de Bellman. Et vous allez voir, ça ressemble beaucoup à nos itérations de programmation dynamique. C'est juste qu'on a enlevé les index des deux côtés. Donc, ça c'est l'équation de Bellman, où vous avez probablement remarqué que nos itérations de programmation dynamique, quand on partait de la fin et qu'on reculait, on avait ici k plus 1, puis on calculait le k, fait qu'on faisait des itérations comme ça. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'à partir d'un certain temps, vos itérations, il n'y aurait plus de changement. Le j qui est à droite serait égal au j qui est à gauche. Donc la solution stationnaire, c'est quand on a la même fonction j des deux côtés de l'équation, puis que ça, c'est égal les deux côtés de l'équation. Donc, petit point par rapport à ça. La solution J. La solution J est unique. Puis ça, c'est un système d'équations qu'on pourrait essayer de résoudre directement. Donc, si vous êtes chanceux, mettons que vous avez une hypothèse que votre fonction J, c'est ça sa valeur, vous pouvez prendre une fonction J hypothèse, la mettre dans cette équation-là, puis si ça c'est égal, vous avez la solution de coût à venir optimale pour un horizon de temps infini. Et un coup que vous avez trouvé J, en fait, vous pouvez facilement retrouver la loi de commande optimale pour l'horizon de temps infini, qui est en fait juste l'argument qui minimise ce terme-là ici. Plus alpha j de f de xu. Comme ça. Donc, un coup que vous avez trouvé la fonction j, vous pouvez la mettre ici, calculer votre loi de commande optimale pour l'horizon de temps infini. On va voir que la prochaine capsule, on va parler de comment solutionner cette équation-là de Bellman. Et au bout de la ligne, on le faisait déjà un peu. La façon la plus simple de trouver la solution de cette équation-là, c'est de faire des itérations pour tendre vers cette asymptote-là. Puis quand on est convaincu que on n'a plus beaucoup de changements, qu'on est pas mal stable, on va considérer qu'on est très proche de notre solution optimale. Donc voilà pour, si je résume, qu'est-ce qu'on a changé ici? C'est qu'on a regardé pour un système stationnaire où toute notre dynamique, notre coût et notre loi de commande ne dépendent plus du temps. Et on n'a pas d'horizon de fin non plus, on optimise pour une opération en continu. Ça, c'est la fonction de coût qu'on peut travailler avec. On a rajouté un facteur d'escompte qui peut être nécessaire, qui fait que les coûts dans le futur valent un petit peu moins que les coûts instantanés, plus proches de moi temporellement. Et on arrive que on a un système d'équations qui peut nous donner directement la solution de coût à venir optimal, qui s'appelle l'équation de Bellman. Et une équation associée qui permettrait de retrouver la loi de commande optimale un coup que j'ai cette fonction-là de coût à venir optimal. Donc voilà.